Arrête de casser ma maison ou je vais goûter ta famille. Et yop, Clash Royale, les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous présenter un deck, les gars. Donc voilà, c'est un deck, vous le voyez, qui est anormal. Juste tout simplement pour l'exercice x7, si vous voulez fermer vos couronnes, dépêchez-vous. Je sais pas quoi. Mais voilà, pour fermer vos couronnes, c'est magnifique. Donc on a plusieurs glaces pour aller ranger toutes les troupes, la tornade, la tornade, bon, escouade jump pour les gros troupes. Alors on a le poison pour parce qu'il y a beaucoup de cimetières. Et roquette pour les sequels. Et puis voilà. Avant que la vidéo commence, les gars, abonnez-vous. Et puis voilà. Ok, on part directement dans la première game. Parti. On commence. On va mettre cycle. Hop, on peut faire une petite value si on en temps. Hop. Et si on peut faire de la value, on l'a fait la value. Évidemment. On dit pas non. J'essaie de trouver les trucs en même temps. On va mettre le petit squelette géant de côté. Un deck qui est vachement bien, j'aime beaucoup parce que c'est facile à, il est facile à contrôler. Alors, vous voyez là, j'utilise pas trop mon cerveau, vous voyez là, genre juste cycle, je mets de temps en temps. C'est normal s'il nous prend une ou deux tours. Bon, c'est pas dramatique. Donc. Là, c'est spamant, les gars. Bienvenue sur Clash Royale. En fait, il donne tellement d'élixir que je galère à l'utiliser, genre. Faut quand même que je mette des skills de temps en temps. Ok, on peut mettre ça. On va mettre une bombe dans son fil de glace. On va mettre une petite pétro en temps. On va mettre des petits plaies de chasse aussi pour les lex. Et voilà. Tu te donnes une game, les gars. Voilà, c'est pas compliqué. Il suffit de spam avec des roquettes. Ce deck n'est pas compliqué à prendre en main, je pense que c'est à portée de tout le monde. Même si vos cartes sont pas max, c'est facile en plus, les gars. Enfin, est-ce que c'est pas magnifique de débloquer le skin, le fameux, vous pouvez tout de suite le mettre. J'ai réussi à allier. J'ai du bélier, j'ai ça, j'ai... C'est bon, j'ai exactement ce qu'il faut. Parfait. Non, non. Depuis tout à l'heure, je fais que ça, je vous jure, j'ai perdu 200 trophées comme ça. Alors, l'avantage c'est que c'est du full bâtiment, c'est ultra facile de, pour vous de gagner. Full bâtiment, les gars, c'est une tuerie. La bombe du squelette jean qui fait le taf, hein. Regardez, vous allez voir. Et puis, comment ça joue là, et tout ce qu'on fait. Tac. Pour autant, on met quelques petites tornades pour quand même aller détruire tout ça. Voilà, nickel. On met. Hop. De temps en temps un petit flèche chasse évidemment, un peu oublié. On met des petits poisons défensifs aussi, ça fait pas de mal. Hop, on peut continuer à cycle le rocket. Un petit sorcier glace pour ralentir des gros trucs comme PK, etc. On peut mettre. Les gars font vrai tout ce que vous faites. Vraiment, c'est le mode de jeu le moins skill du jeu. Les gars, on a deux roquettes, donc il suffit de cycle une autre rocket trop et c'est simplement win. Et voilà. Les gars, c'est le 100% win, les gars, ce deck. Je vous le conseille fortement. Voilà, les gars, j'ai fait 6 couronnes en 3 minutes, les gars. En 3 minutes. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour fermer le place, les gars, c'est insane. C'est insane. Pour fermer le place, faut que... Enfin, c'est insane. Bah, j'ai besoin de parler, regarde, c'est trop simple. C'est trop bon. Okay. Allez, je vais vous en. Ouais, tu vas être de voir, vous voyez. On a qu'une tour. Je peux le dire,
Là, si on fait un tour, c'est des bombes de schedule, car on est. Bon, du skateboard qui avait tout géré en tous les cas, et puis voilà. Allez, hop, 9 courants dans 101, c'est pas 9 courants. Oh, génial, ok. Et ouais, les Golex. 1, on va poison. Possible. On se dépêche, oh le coup. Là, c'est le genre de guide que j'aime beaucoup ça. Mon mec qui sera bon pour moi parce que j'ai un petit. Parce que le géant là il va faire le taf. On va mettre une tower mongeur. On va mettre un squelette géant. C'est mal à tourner que je vais mettre là. Les gens qui connaissent ça des trucs, ça va faire très très mal dans les potes. La value que je vais faire avec les explosions. Alors là, c'est un petit peu la panique là. La panique, la balle, les gars. La panique, là, je vous dis, la panique adore. Oui. Oh là, faut rester sous. Là, faut. Ah, les gars. Et on se part. On a fait une petite défaite, c'est pas grave. On était presque. En fait, le squelette, on l'aide beaucoup dans, ma... dans les. Ok, bon, c'est pas grave. En tous les cas, c'est pas grave. Ok, prochaine game. Tac. Oh, là, la vallée qui nous donne. Oh oui, c'est ça. Je vais reprendre une tour à mon value. Rocket Mega Value, on la prend. Il y a déjà plus de. Plus de push, je crois. Bon petit. Non, Sam Land. Pour l'instant, j'arrive à me faire défendre. En fait, je déteste que tu prennes une idée, c'est une double push, c'est une horreur. Là, petit headshot, et puis ça, un peu de temps. Golem D, la conduite. Non, Rocket Pro. Va mettre des flèches, donc ça, je peux 3 values sur ça. Beaucoup d'Elex. Oui, quand tu as un Rocket Pro. Mais si on perd le tour, c'est pas dramatique, hein. Si on perd le tour, c'est pas dramatique. Voilà, là j'ai fait une méga value du fut. On va les prendre cette win. Voilà. Alors, les games peuvent être un peu serrés de temps en temps, mais voilà. Alors, je vous dis, en fait, mes squelettes géants, tour à bombe tornade, il n'y a plus rien en fait. Ce qui est bien avec le deck, c'est assez facile à défendre. C'est assez facile à défendre, c'est pas des plays méga chauds, etc. C'est comme un débit au con. Enfin, pas trop du tout. Ah bah yes. Yes, ça y joue pas. Ah bah yes. Il a pas lancé avec le bon deck là. Ouais, je suis pas sûr qu'il lance avec le bon deck là. Je pense que le géant va plus vite que les autres. Il avait pas envie de jouer lui, je sais pas pourquoi. Les trucs éliminés en premier parce que bien là, il se réveille un petit peu là. Et bon, c'est toujours tranquille. Hein. On met une photo là. Toto, il n'y a plus rien. Après. Il a plus Daron, il a plus. Et on prend la win encore une fois. On ferme que les trois courants dans cette vidéo. Est-ce que ça serait pas magnifique par hasard?
En 15 minutes, je peux faire une heure de farm, tu vas aller. Dernière les gars, dernière avant avant de prendre le déjà de prendre le prochain. J'attends. Et les ladies, je suis sans marin. Prendre des gaffes. Là, il va me donner des méga bonnes musculades géants là. J'ai bien kiffé cette game. Hein. Je vous dis les gars, j'ai bien kiffé cette game. C'est pas posé. Le cas c'est le type. Il y a une basique et... Yeah, dans ce genre de défi, jamais de deck basique, ça va. J'ai toujours des decks un peu chou avec 3 ou 4 ou 4. Power Bomb. On va les mettre ça. Et moi les gars, faut pas lui là. C'est la catastrophe à d'art. On a 3 milliards de bats. Et on va les prendre encore cette oui. Ok, j'ai raté, non ouais. J'ai raté. Ok. Nickel, bah c'est plutôt cool. Voilà, on a farmé très vite le place. On a fait 3 paliers les gars en à peu près 14 minutes je crois. Okay. Ça va, c'est plutôt assez rentable. Allez, on veut du bélier, les gars. Bélier. Pas de bélier. D'ailleurs, vous en pensez quoi, les gars, du boost de collecte d'élixir? Moi, je trouve que c'est bon, les gars. Allez. Bon, les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. C'était Braku. Ciao.